Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau live sur notre chaîne Twitch. Bonjour Paul. Salut Denis, Alors, merci de m'accueillir. C'est la bah de première fois rien, que je fais le live, du coup je suis très content d'être là. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien parler s'amuser. Plein de trucs. C'est un live nouveauté, on a des oui, petites choses à exactement. présenter, mais on Truc va très intéressant. plus te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Effectivement, bah moi Paul, du coup, il était derrière à la base. Exactement. Tu étais notre consultant et technique. Maintenant je suis passé devant. Ouais, c'est donc cool. Prochaine étape, il va prendre ma place. Non, t'en fais pas, Denis. C'est pas à l'heure du jour. Tu feras très bien le boulot, j'en suis persuadé. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas le service client, c'est ton QG. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est ton rôle en fait? Alors, moi, client. Très précisément, du coup, je bosse au service relations clients, matériel.net, plus précisément dans le service technique avant-vente. C'est-à-dire que moi, du coup, je suis au téléphone, je réponds également par mail ou sur les RS, donc réseaux sociaux, sur toutes les questions portant sur la technique, soit des compos, compatibilité. Est-ce que voilà telle pièce est compatible avec telle autre pièce? Est-ce que ce PC-là il va pouvoir faire tourner tel jeu? Genre de trucs. Donc c'est beaucoup de techniques, beaucoup de relations clients. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais ça et je m'y plais. C'est franchement super cool. Donc voilà, moi je viens ici pour essayer d'apporter un peu d'expertise technique Tu veux dire, sur j'en le ai pas. produit. C'est pas ça, Denis. C'est pas ce que j'ai dit. Non, Non. on est super content d'accueillir Paul. On espère que ça nous permettra encore de mieux répondre à vos questions. On vous remercie tous d'être avec nous. Comme d'habitude, j'en profite pour remercier tous nos modos. C'est toujours super sympa d'être avec nous. On va passer un peu de temps ensemble pour vous présenter 3 nouveautés. Mais avant ça, on voulait vous parler un peu de ce programme qui est donc les live nouveautés qu'on aimerait vous proposer tous les mois et qu'on va vous proposer tous les mois. Par contre, nous, ce qu'on aime bien, c'est faire des choses pour vous. Donc notre ami Kevin, qu'on a rembauché une nouvelle fois pour l'occasion, vous a concocté un petit sondage pour savoir quelle est un peu l'heure de diffusion que vous préféreriez pour ces live nouveautés. C'est ça. Donc on vous invite à y répondre. Alors s'il vous plaît, vous ne mettez pas 3 heures du matin. Non, Non, t'es parce pas que moi je disponible. dors à cette heure-là. Voilà, Il y en a qui moi je bossent. joue, chacun son truc. Oui. Et justement, on va parler un peu de gaming aujourd'hui. On va parler de 3 petites nouveautés. Carrément. Et on va carrément commencer par la première, Oui. qui vient de chez nous. Elle a été faite juste là. Alors pas derrière l'épaule de Paul, en fait, après il y a Non, un truc. dans l'atelier. Dans l'atelier, et c'est le PC. Werewolf. Ouf. Werewolf. Ouf. Dans un anglais impeccable, mon cher Denis. Le PC loup-garou, Oui, hein, effectivement. que Kevin va vous montrer en vidéo 360, qui est un joli PC qui est en édition limitée. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Matériel.net, un PC en édition limitée, il faut se précipiter. Oui, il faut pas tarder, effectivement. Ce sont des PC du coup qui proposent une très grosse puissance embarquée pour un prix qui est franchement pas délirant, bien au contraire. Ouais, là on est à 1899 euros. 99, ma chère Maryse. Effectivement. Souvent, on nous dit c'est moins cher si on le fait nous-mêmes. Ben, on va vous donner la réponse. Non, c'est c'est faux. faux. Si vous prenez tous les composants de ce PC qu'on va vous détailler par la suite, et le système d'exploitation sans le montage, Oui. vous êtes à 2045 euros le PC. Et oui, sans le montage en plus de ça. Donc là, Ouais. vous le recevez prêt à l'emploi, c'est livré, vous appuyez sur le bouton, ça marche direct. Donc c'est quand même franchement pratique, ça évite tous les petites avaries du montage. Ouais, et puis Puis, comme on passer à va la... vous détailler l'intérieur, vous allez voir que c'est quand même bien d'avoir un bon montage. Poil. Pour la présentation globale, c'est un PC qu'on a voulu un peu future-proof, puisque à l'intérieur, nous avons une petite RTX que nous allons détailler. Donc c'est un PC qui est parfait pour le WQHD, on peut dire. Oui, Full HD, WQHD. La 4K, ça va être un peu léger, mais c'est pas vraiment le but de ce type de machine, hein, Ouais. concrètement. Donc, ouais, si vous voulez, si vous avez un bon écran, donc en 1440p ou alors en Full HD, 144 Hz, allez-y. Faut franchement pas hésiter, à part sur les gros jeux comme Battlefield 5, il n'y aura vraiment aucun souci, quoi. Donc on est sur quelque chose qui carbure sec. Et ça carbure sec parce que qu'est-ce qu'on a mis dedans, mon cher petit Paul, pendant que je vais m'absenter pour aller chercher la paluche que Kevin a oublié de me redonner? Ah bah vas-y, go. Alors du coup on va être sur, bah, comme Denis l'a dit, une RTX Ah, c'est bien, 2070, continue, t'es donc bien on tout va être seul. sur une carte milieu de gamme, Je vais enfin milieu de manger, gamme moi. plus, qui va être grosso modo équivalente à l'ancienne génération qui était la GTX 1080 Ti. Donc ouais, c'est quand même du lourd. Ce à quoi on l'a couplé un On va processeur. passer sur la paluche, Ouais, mon vas-y, petit bah monte Kevin. donc la carte graphique, mon cher Alors, Denis. la jolie CG. Ouais, MSI Armor, donc modèle de chez MSI, refroidissement assez conséquent, semi-passif, donc ventilateur au repos à l'arrêt. On le Donc voit, lorsque la ça bouge carte n'est pas. pas en charge, donc 0 décibels, ça c'est franchement vachement bien. Pour des confs bureautiques ou home cinéma, ça c'est franchement primordial. Juste au-dessus, on va avoir le système de refroidissement
refroidissement Cooler Master, c'est un AML240, donc c'est un 240 mm water cooling, bien entendu, comme le montrent les tuyaux ainsi que le water block. Ça, ça va être pour refroidir le processeur très puissant qu'en dessous, c'était le 9700K. Bon, on va pas pouvoir le voir parce qu'il est caché, mais on est sur quelque chose, là encore, qui pour du jeu va franchement être type top, hein. Pas forcément besoin d'aller au-dessus, donc c'est un excellent choix de la part de notre chef produit. C'est Christophe qui a géré cette machine-là. C'est toujours l'équipe de Christophe, là, Jean-Charles, Claire, à qui on fait un coucou encore une fois pour leur super boulot. Bon, c'est couplé à 16 Go de RAM, hein. Faut pas moins du coup pour du jeu gourmand à l'heure actuelle. Non, pas moins. On peut se débrouiller avec moins, mais bon, disons que la RAM est quand même beaucoup moins chère que ça n'a été, donc bon, pourquoi pas passer sur du 16 Go histoire d'être un petit peu plus future-proof justement, hein, dans le même esprit que les RTX. Très bon boîtier, une alimentation en tech, en rendement or, donc ouais, c'est du beau matos, clairement. Je vous invite, si le sujet des alimentations, je vais y arriver, vous passionne vidéo, et hein. ou vous pose des questions, n'hésitez pas à retourner voir sur nos chaînes YouTube où vous trouverez d'ailleurs le replay de ce live, oui. Le dernier live portant sur les alimentations. Profitez-en pour vous abonner en même temps, hein, on va en parler. Faut s'abonner, hein. Parce que sinon nous on est au chômage. Non, mais profitez-en pour aller voir tout ça. Coucou bouffeuse, coucou tout le monde. Je fais un coucou particulier à mon chilou. Que vous pouvez voir dans le chat, qui est un ami, Greg, qui est graphiste chez Matériel.net. Merci encore d'être avec nous, Greg, au top. Pour revenir sur ce petit PC, moi j'ai demandé justement aux équipes de Christophe un peu ce qu'il avait de particulier, et quand il m'a répondu, j'ai dit attention parce que je vais le dire. Donc Christophe m'a indiqué que tous les soirs de pleine lune, ce PC se couvre de poils. Ouais, donc voilà. Faire gaffe quand même. Bon, là, sous les projos, ça va aller, mais voilà. Dans la pénombre, attention. Donc, je répète, PC Werewolf. 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 Loup-garou. 100 pièces. Claire m'indique dans l'oreillette que je n'ai pas, mais je fais semblant. Et ça, c'est pour de vrai, il en reste que la moitié. Ouais, ça part très très vite. Hein. Pourtant, on ne l'a pas mis il y a très longtemps. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est intéressant. Parce que dépêchez-vous, je rappelle, 1899,99€ avec OS. 100 pièces, c'est franchement, ouais. c'était un super plan. Donc ça, c'est cool. Et je vais en profiter, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à Paul, à moi, à Kevin, et à Thibaut, notre community manager qui est derrière. Ouais. On essaiera d'y répondre comme on peut. On a parlé de RTX, puisque c'était une RTX 2070, comme tu l'as précisé, qui était dedans. Et l'une des nouveautés de ce début d'année, on peut dire. Ouais, même de ce mois-ci, enfin fin du mois, on va dire. Ça a commencé à Vegas. Ouais, avec le CES, effectivement. À grand champ. Et du coup, 2060, un nouveau milieu de gamme du coup proposé par Nvidia. Ouais. On a un exemple du coup à vous montrer aujourd'hui. On va repositionner un peu tout ça pour ceux qui ont moins suivi. RTX, nouvelle génération de cartes Nvidia, avec une architecture un peu spécifique. C'est ça, avec du coup des cœurs d'intelligence artificielle, le ray tracing, donc gestion de la lumière nouvelle génération proposée par Nvidia. C'est pas encore implémenté dans beaucoup de jeux, mais ça risque d'être le cas du coup très vite, très prochainement. Il y a aussi le DLSS, comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle. Ouais. Des modules de mémoire qui sont GDDR6, comparé aux anciennes générations qui étaient en GDDR5X. C'est ça, 5 et 5X, exactement, tout à fait. Pour resituer, après, je laisse Paul parler de technique parce que moi j'y pine que dalle. On a 21 modèles de RTX 2060 sur le site. Donc pour vous donner une idée de prix, vous êtes entre 389 et 530. Nvidia a lancé 4 familles de RTX, 2060, 2070, 2080 et 2080 Ti. C'est ça. Donc là, vous êtes en présence de la moins chère, en fait. C'est la porte d'entrée. Exactement. Alors, c'est théoriquement la moins puissante, mais bon, c'est quand même tout relatif, puisqu'une 2060, si on regarde les benchmarks, on est quand même pas très très loin d'une 1080. Donc, c'est quand même très puissant, honnêtement. Alors que là, Kevin nous montre l'unboxing qu'il a réalisé sur la 2060. J'en profite pour prendre des petites questions. Alors, il y a Ucogens qui est toujours en train de retard. Ouais. Coucou Ucogens, qui nous demande s'il y a des problèmes de poussière avec le boîtier du Werewolf. Pas dans le Meshify C, parce qu'on va être sur un boîtier entièrement filtré. Donc là, oui, il va prendre la poussière, entre guillemets, parce que du coup, il n'y a pas le panneau sur le côté. Mais une fois qu'il est fermé, il n'y a franchement pas de souci. Les filtres sont détachables, vous pouvez les passer sous l'eau, ça se rince tout seul. Impeccable. Ouais, non, là, franchement, il n'y a pas de souci. C'est du fractal, c'est du costaud. Ils savent faire d'excellents boîtiers. La preuve en est sur ce modèle-ci, clairement.
Et on a Alex Lelex qu'on salue encore une fois. Merci Alex d'être encore et toujours avec nous. Ça fait vachement plaisir. Qui nous dit qu'il a une question sûrement bête? Non, c'est pas une question bête. Non, parce qu'on nous la pose très souvent, honnêtement, Denis. Je te laisse la lire, mon cher ami. Donc, très bonne question. Est-ce que dans un système de refroidissement tel que celui que propose Cooler Master dans le Werewolf, il y a besoin de changer le liquide? La réponse est non, parce que c'est un système qui est scellé, c'est-à-dire hermétique. Vous n'avez pas de prise d'air, il n'y a pas de bouchon de remplissage, donc il n'y a pas d'évaporation du coup du liquide, donc ça ne se change pas, ça reste à vie, il n'y a pas besoin. C'est pas comme un système custom où vous allez créer vous-même votre pompe avec vos radiateurs, vos tuyaux, vos embouts, là oui il y a besoin d'une maintenance, mais pas sur ce type de système, c'est tout l'intérêt, justement c'est beaucoup plus simple. Alors on va repasser sur les RTX, mais on va rester dans le domaine des questions, parce que on a, ça c'est le petit jeu qu'a Thibaut, je pense qu'il sélectionne des fois les mecs qui ont les pseudos les plus durs à prononcer, mais regarde pas comme ça Thibaut. Springies. Vous pensez vendre la RTX Palette sans dissipateur? Eh bien, mon cher Brownies, je n'en sais rien. Eh bien, je ne pense pas, honnêtement. Enfin, ça fait un petit moment que je regarde ma tenette et que je bosse chez eux. Palette, je n'ai jamais vu chez nous. Hein. Non, je ne sais pas si on bosse avec eux. On rappelle qu'on a, que vous ne trouvez pas toutes les marques et toutes les références sur ma tenette, parce que nous, on aime bien sélectionner. Exactement. Alors, on n'est pas gravé dans le marbre, hein, on n'est pas des gens bêtes. Quand les marques s'améliorent, eh bien évidemment, on retravaille. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas cette marque à notre catalogue. Ouais, Palit, c'est quand même plutôt une marque qui est dédiée au marché asiatique et nord-américain. En Europe, c'est quand même relativement peu répandu. J'ai pas souvenir d'avoir vu un revendeur français, en tout cas, en proposer le catalogue. Peut-être qu'on pourrait faire exception. Un bon revendeur, quoi. Un bon revendeur. Peut-être qu'on a un port sur Amazon, possible. Mais c'est de l'import, hein. Donc bon, à voir. Alors, on repasse sur les RTX 2060. Ouais, désolé, c'était un petit peu décousu, mais on fait ça pour vous. Donc, on suit vos questions. On a CentralTV18_FR qui nous dit est-ce que c'est le prix qui fait qu'il n'y a pas de backplate, si tu peux la montrer à l'arrière de la carte graphique. Très bonne remarque. On voit qu'il n'y a pas de backplate, hein, du coup, à l'arrière de la carte graphique. Alors, c'est quoi une backplate? C'est une plaque en métal ou en plastique, hein, qui va se situer derrière le PCB, juste ici, et qui va couvrir, du coup, le circuit imprimé. C'est pas primordial, c'est bien d'un point de vue esthétique, mais bon, honnêtement, d'un point de vue refroidissement, ça changera pas la face du monde. Donc, VGA a pris le parti de pas en proposer, c'est pas grave. Ouais, on n'a pas donné le nom du modèle, je crois. Oui, bien. Effectivement, hein, c'est une 2060 XC Ultra, du coup, à mettre en contraste avec les XC normales qui n'ont qu'un seul ventilateur. Elles sont coupées en deux, hop, et ouais, elles sont moins grandes. Ouais, elles sont moins grandes. Ouais. Là, on est sur du 439,95€ ouais, pour celle-ci. Donc, c'est un modèle avec une fréquence OC à 1830. Oui, donc du coup, bon potentiel d'overclocking, hein, sur une carte telle que celle-ci, un connecteur 8 pins, donc il y a ce qu'il faut pour l'alimentation en énergie. Elles sont pas toutes en 8 pins, je crois, les 2060. Il ne me semble pas. C'est une bien bonne question, Denis. Il faudrait que j'épluche les modèles qu'on a, mais je crois que certains modèles dont on va avoir deux connecteur 8 pins, peut-être des modèles du coup les plus haut de gamme chez MSI par exemple, dédiés à l'overclocking, qui vont avoir besoin de beaucoup de jus pour pouvoir tenir la cadence. Bon, c'est pas le choix qu'a fait VGA, ça marche très bien sans. Donc tout va bien. Honnêtement, ouais, il y a vraiment aucune tu me disais que le système de refroidissement, parce que en fait on prépare quand même un petit peu, on n'a pas l'air comme ça, surtout moi, mais Paul lui a vachement bossé en même temps. Bon, en plus je l'ai acheté à titre perso et cette carte-là. C'est donc, ce que tu me disais quelques minutes avant le live, donc exactement. Tu vas pouvoir nous donner un petit peu ton sentiment à toi, et tu m'as attiré l'attention sur le, d'ailleurs t'en parlais par rapport au Werewolf, sur le fonctionnement des ventilos. Oui, exactement, tout à fait, un fonctionnement semi-passif, donc même principe que la MSI qui équipe le Werewolf. C'est une carte qui aura ses ventilateurs complètement au repos, donc qui ne tourne pas à l'arrêt. C'est franchement très agréable en bureautique, puisqu'il n'y a pas un souffle du coup continu dégagé par la carte graphique. De toute façon, il n'y en a pas besoin, donc pour de la bureautique, une carte graphique, donc autant qu'elle reste au repos. Sachant ça, on est quand même sur un système très efficace. Moi, pour l'avoir benché un peu, les températures sont très 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 correctes. Je suis en dessous des 70 degrés, du coup, avec un OC plutôt important, donc c'est du bon matos. Alors, le système semi-passif, du coup, se déclenche sur ce modèle-ci de base, je crois, à 60 degrés. Donc, c'est-à-dire que lorsque la carte est un petit peu en charge, donc un jeu en jeu, hein, par exemple, à partir de 60 degrés, les ventilateurs se déclencheront. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-ci, que vous l'achetez, vous étonnez pas. Vous avez un petit clic qui se fait au démarrage des ventilateurs. C'est très commun, du coup, sur des ventilateurs
PWM, comme ceux qui équipent du coup cette carte-là. Donc aucune inquiétude, hein, c'est pas du tout soumis à garantie ou quoi que ce soit, un défaut de la carte. On trouve sur des forums des gens qui disent « Ouais, ça a été assemblé n'importe comment, il y a des câbles qui traînent et qui frottent ». Non, c'est faux, c'est juste le fonctionnement de la carte en fait, hein, concrètement. Alors on le rappelle, on l'a dit en intro, de toute façon quand vous avez des questions ou des soucis, Paul et la grande équipe du SRC, faut pas hésiter à les solliciter. J'en profite pour faire un coucou à Bloop Greg, qui est avec nous aussi. Coucou, salut Bloop. Mon cher Greg. Et puis, alors, on voulait revenir un peu, plutôt que te demander si tu veux une tourtelle, mon cher Paul. Je Antoine, pas, non. C'est fait. On a une question, alors j'arrive pas à lire le pseudo parce que c'est en vert fluo sur blanc, qui nous demande quel est le meilleur rapport qualité-prix en RTX. Alors forcément c'est subjectif. Question. Ah, pas tant que ça Denis. Pas tant que ça. On va dire les 2080 Ti, non? Ouais, mais elles sont quand même vachement chères. Honnêtement, quand ça on pense qu'on veut faire et l'écran. Et on exactement, souvent. C'est très important. On choisit bien sa carte graphique en fonction de l'écran qu'on a. Évidemment, on va pas prendre une carte peu puissante avec un écran 4K, hein, parce que là, ça va pas forcément très bien marcher. Ou alors la fluidité sera catastrophique, donc inutilisable au quotidien concrètement. Pour le commun des mortels, donc pour la grande majorité des gens, franchement, ça va être la 2060, ça va être le cœur de gamme. Pour moi, du moins, c'est un avis qui m'incombe personnellement, parce qu'on est à un niveau de perf très satisfaisant sur des écrans Full HD et Wide QHD, qui c'est représentent ça. En fait bah, l'immense majorité des écrans du coup qui sur le marché. Hein. Peu de gens ont des écrans 4K encore à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est le bon compromis. Elle est aussi moins chère. Donc, pour moi, les 2060 représentent en tout cas le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. On verra ce que ça donne plus tard. Bon, eh ben, vous avez un avis tranché, mais un avis d'un technicien. Si on aime bien, c'est être transparent. Ouais, Tu ne l'es pas, mais ton avis était nickel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de Jackie parmi nous. Puisqu'en fait, après Greg, on a Yann qui nous héberge. Merci Yann, coucou. Il en manque plus beaucoup là, les gars, pour faire l'équipe au complet. Allez, hein, encore un petit peu. Allez. donc, merci encore à vous de nous suivre. Je vais la reposer avant de la casser en deux, par contre. Ouais, voilà, ne la casse pas parce que sinon ça va marcher. Oui, parce que si on la fait tomber, c'est hors garantie. Donc après, VGR, ils vont pas être contents. Hein. Alors, il y a FlyRox On qui nous demande si on fait gagner le ROG Strix. J'ai l'impression que notre ami a pris un train d'avance en parlant de ce qui est là. Alors, la réponse déjà à ta question, eh bien non. Malheureusement. Non. Je peux faire gagner des bonbons. Des bonbons. Je te donne des bonbons. Allez, bing, pour sur l'écran. Pour toi, public. Voilà. Là. On va passer au PC encore portable. À du RTX, mon cher. Eh oui. Alors non, il n'y a pas que le RTX dans la vie. On vous rappelle, c'est un live nouveauté. On sera très, très, très content de parler des autres constructeurs. Il paraît qu'il y a un numéro 7 qui arrive chez Radeon. Peut-être qu'on le mettra les Vega 7 dans le prochain live. On attend surtout aussi leur prochaine gen, faut dire ce qui est. Et oui, exactement. Voilà, nous on n'est pas picousés, on aime les bonnes choses. Des bonnes nouveautés. Mais bon, c'est un peu trop tôt pour en parler encore, hein, honnêtement. Et puis ce début d'année, c'est quand même du RTX. Oui. Alors il y a une autre question avant d'attaquer le PC portable de Lorio. Les EVGA sont-ils meilleurs ou vaut mieux choisir les MSI Asus? Asus. Remarque, en anglais, ils disent Asus. Hein, donc, si. c'est une très bonne question. Honnêtement, c'est très difficile du coup de déterminer quel est le meilleur constructeur de cartes graphiques pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous à peu près équivalents. Faut pas oublier un truc, c'est que c'est Nvidia qui fabrique les puces vidéo, donc les RTX ou les GTX 2060, 2070, etc., etc. Les constructeurs, quant à eux, vont juste faire l'habillage, donc c'est-à-dire le circuit imprimé, les capacités du coup d'overclocking, le système de refroidissement, évidemment le look de la carte. Donc c'est vraiment des avis personnels et peut-être une affinité de tout un chacun vis-à-vis de telle ou telle marque. Ouais, hein, puis on dit souvent, c'est un peu... Moi j'aime bien la comparaison, non pas que je m'y connais en bagnole, mais c'est un peu comme les voitures, il n'y a pas une marque qui domine, c'est en fonction du modèle aussi, vous avez des séries chez une marque qui vont être très performantes. Là, la question portée sur EVGA, qui est une marque que je connais un peu, et c'est vrai que EVGA a eu des modèles extrêmement performants. Oui. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on prend du EVGA, on va avoir le gratin. De la même manière chez Asus et chez tout le monde. C'est exactement ça, Denis, effectivement. Donc, il y a bien des gammes différentes au sein de chaque constructeur. Exactement. Donc, j'ai vu une question qui était sympa. Je ne sais plus où c'est qu'elle est.
Eh bien, je l'ai perdu. Ah. Eh bien, c'est pas grave. Ah, tiens, si, redescend, redescend, Kevin. On voulait passer des benches aussi sur les 20-60. Oui. Parce qu'on parle, et vous n'êtes pas obligé de nous croire, vous faites bien. Donc eh ben, chez Matnet, quand on prépare un peu les informations, on s'appuie aussi sur l'extérieur. Eh ben oui, parce que du coup, il y a de très bons sites hein, qui en proposent, notamment Tech Power Up, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Ouais, donc Kevin, comme il n'a rien foutu, il a pris les benches du live du CES, il va nous servir les mêmes. Ouais. Alors allons-y, monsieur est payé à servir plusieurs fois les mêmes plats. Hein. Oui, ouais, très bien. Et donc là, on voit des benches Witcher 3. Donc ouais. Là, vous avez le 1080p, le 4K et le 1440, qu'on va avoir un tout petit peu de mal à lire, à vous commenter, parce que notre écran là, de retour... il nous faut des loupes. Alors, on va vous remontrer un peu le dispositif, hein, transparence toujours. Alors là-bas, c'est Kevin, c'est Kevin. Le monsieur. Coucou, après, là-bas, c'est Thibault, le monsieur. Et là-bas, ah bah, y a c'était personne. Julie. C'était mes filles. Et voilà, et notre retour est là, donc pour c'est pas lire, grand. C'est pas très 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 grand. Ouais. Hein, et puis, en plus, on n'est pas tout jeune, comme l'a prouvé ma blague sur la tourtelle, mon cher. Ne présume pas de mon âge, Denis, enfin... enfin. Là, on passe sur des benches Far Cry 5 qu'on voit un petit peu mieux. Tout à fait. Donc, on se rend compte du coup qu'on dépasse allègrement les 100 FPS hein, sur du Full HD. Donc, comme on vous disait tout à l'heure que c'était quelque chose de top pour du Full HD, la preuve en est Far Cry. Même en 1440, ça dépote. C'est quand même pas ça mal. Ça dépote, hein, effectivement. C'est quand même pas mal. On a des benches sur BF5 qui sont assez impressionnants aussi, parce que vous voyez le RTX on et off. Oui, et là c'est plus la même musique du coup avec le RTX on, malheureusement, parce qu'on est sur une technologie très 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 exigeante. Déjà que les 2080 et 2080 Ti ont un peu de mal, bah, alors la 2060, la pauvre, elle galère un petit peu, mais c'est pas grave, parce que le RTX c'est une technologie d'avenir, donc même si Battlefield 5 est actuellement hyper exigeant, on est en droit d'attendre des jeux beaucoup moins exigeants au fur et à mesure de l'optimisation de la techno à l'avenir. Donc faut bien y penser aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est dans les choux que ça le sera tout le temps. Exactement. Exactement. Alors on a pas mal de petites questions. On a Nob. Bonjour. Ouais. Eh bien bonjour Nob. Oui, bonjour Nob, effectivement. N'y a-t-il pas des taux de retour pour panne différents en fonction des modèles marques ou c'est touchy? C'est touchy, effectivement, mais en toute transparence. Alors moi je bosse pas au SAV, mais j'ai la chance d'être juste à côté d'eux. Donc honnêtement, j'en entends tous les jours. Non, il n'y a pas une marque du coup qui va avoir un SAV plus élevé que les autres. On est sur des différences qui vont jouer au dixième de pourcent près, donc c'est totalement négligeable. Il peut y avoir par contre des mauvaises séries. J'avais vu passer une question du coup dans le chat, donc je me permets juste d'en parler, notamment concernant EVGA, où il y avait eu du coup une série un petit peu ratée au niveau des 1070, ils ont vite corrigé le tir. Mais voilà, c'est une série parmi les 20, 30, 40 qu'ils ont fait depuis qu'ils existent. Donc bon... Voilà, c'est un petit faux pas, mais il n'y a pas de constructeur franchement qui est calamiteux par rapport aux autres que vous preniez du premier. Et puis ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Palit. Alors je ne juge pas le taux de retour de Palit. Je vous dis juste que c'est une des données qui fait que nous, en interne, on choisit ou pas une marque. C'est-à-dire que si on a taux de retour qui est beaucoup trop important, en fait, ça vous impacte vous impacte nous. Donc on n'a aucun intérêt à garder. Alors, comme on n'est pas des méchants et comme on a des gens comme Paul, comme Mika, que je salue, comme Christophe, etc., on fait, nous, des retours aux marques. Vous le savez, hein, même les marques nous confient des fois leur pré-modèle pour qu'on en fasse quelque chose. On leur fait, nous, des retours. Et puis, si c'est corrigé, on continue. Si c'est pas corrigé, effectivement, au bout d'un moment, nous, on n'a pas envie de vous vendre des choses qui ne fonctionnent pas, surtout au prix où elles deviennent. Ouais, donc en tout cas, le mot de la fin, pas d'inquiétude. Hein. Toutes les marques sont équivalentes. Il faut vraiment bien le comprendre. C'est juste le système de refroidissement et la tronche de la carte, le look qu'elle va avoir, qui va différencier. Éventuellement, la capacité d'overclocking, mais c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés. On va toujours pas attaquer le PC portable. Non, parce qu'il y a trop de questions, Valentin, des questions intéressantes. Et Anto, hein. Donc, du coup, c'est cool. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. Ouais. Mais il y a Monsieur Big James, Libron peut-être, je sais pas, qui nous demande quelle carte graphique il faudrait pour un 27 pouces Full HD 144 Hz pour jouer en ultra. Eh ben on l'a dit. Et voilà, tu n'as qu'à écouter Monsieur Big James. Oui, allez, hop, la 2060, Thibaut, tu me le kick. Concrètement, la 2060, ce sera le meilleur choix à faire. Non, t'as raison de demander Big James. Voilà, donc c'est vraiment la 2060 qui ira. On a Acnow TV qui nous dit, que pensez-vous de la config Ryzen 7 2700X, pardon. Non, 2700, du coup, je pense que c'est une typo, du coup, sur la... D'accord. Ouais, je pense. Avec une RTX 2080,
le PROS ne va pas nerf la RTX. Non. En gros, on dit CPU limited. C'est ça, bottleneck CPU aussi. Bon, y a plein de termes, hein, concrètement. Ouais. En gros, une limitation qui va se situer au niveau du processeur au lieu de se situer au niveau de la carte graphique. Alors, on rappelle, on est toujours un peu limited. Oui, mais de toute façon, par l'un ou par l'autre. Donc, il faudra faire un choix. Le choix commun est généralement situé au niveau de la carte graphique. Mais non, pour répondre à ta question, il n'y a aucun souci. 2700X, on est sur un bon processeur AMD qui va dépoter sévère. Pour du jeu, c'est peut-être pas le plus à l'aise, mais c'est loin d'être une catastrophe non plus. Donc, non, tu ne seras pas limited du coup avec un 2700X et une 2080, il n'y a vraiment pas de souci. Et d'ailleurs, je me fais ma petite pub perso, puisqu'on parle de limited. Il y a quelques temps, je vous invite à faire la recherche sur le blog Matnet, on avait fait un article, d'ailleurs avec ton équipe, qui m'avait bien aidé sur le CPU limited, GPU limited. Donc vous allez voir Matblog, vous aurez votre un réponse. Un peu plus de détails. Merci Wendy de nous héberger, toi aussi. Ça fait vraiment vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, C'est cool, c'est cool. Ouais, franchement sympa, voilà. Sympa. You made my day. Le Rio, qui est petite question, Intel 5 ou Ryzen 5? Très bonne question. Moi, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi? Parce que bon, oui, faire. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que le Ryzen 5 du coup va être un petit peu plus à l'aise pour des tâches montage vidéo, retouche photo, en gros la suite Adobe, hein, concrètement, vous voyez le genre. Les processeurs Intel sont plus à l'aise pour du jeu. En revanche, mais ils sont également un petit peu plus chers, donc il y a aussi une dimension rapport qualité-prix qui rentre en ligne de compte. Là, à l'heure où on se parle, on est fin janvier 2018, on va dire début février, c'est plutôt... C'est 2019, sinon. 2019, pardon, je me crois pas la dernière. On l'a sorti de la glace, en fait. Désolé. C'est plutôt AMD hein, qui remporte la palme du rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Ouais, Intel est très bon, mais c'est un prix. Donc bon, après ça dépend ce que tu veux, hein. C'est soit tu veux le meilleur auquel cas Intel, hein, soit c'est voilà, le juste milieu auquel cas, ce sera plutôt chez AMD. On vous invite à nouveau à voter sur notre sondage pour savoir quel horaire vous plairait le plus pour ces live nouveautés. On vous le rappelle, on va vous proposer ça tous les derniers jeudis de chaque mois. Projet intéressant. Ce sera un vrai rendez-vous sur lequel on essaiera de vous sélectionner, comme on l'a fait ici, des nouveautés assez sympas. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qui vous arrange en horaire. Évidemment, on ne suivra pas vos avis. Non, je rigole. Au contraire, nous, c'est vachement important pour nous de pouvoir interagir avec vous parce que ces programmes sont faits pour vous. J'ai eu une petite hésitation, car la dernière question sortie par mon ami Thibaut m'interpelle. Nous avons Tififou 44. C'est bien Thibaut. Qui est sur merci le chat. Thibaut. C'est très gentil. Fifou, je pense que tu ne devrais pas être sur le chat. Mais on peut pas. On et peut où pas. Où sont les beaux gosses on qui présentent pas, d'habitude On peut pas tout lier. Demandent. On peut pas. C'est pas possible. Bah ils sont là. Effectivement. Il y a la question de Tiamat qui est cool aussi. Faut-il un CPU mini pour une 2070 Oui, effectivement, si tu as un vieux processeur Athlon qui date d'il y a 10 ans, ça va pas le faire. Mais on conseille en fait pour des GPU de série 2000 d'avoir au moins un processeur de 4e génération. Donc série 4000 pour avoir quelque chose qui se défend pas trop mal. Sinon, il y a vraiment un gros bottleneck justement. On revient au niveau du processeur et la carte n'est pas capable de s'épanouir pleinement. Cet homme est incroyable. Ah. C'est un puits de science. C'est un puits de science. Je vois pas le fond d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors j'en profite tout de suite. Ecorse TV. Non, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui. Si, regarde. Ecorse cadeau. TV. Cadeau. Allez. Hop là. Toi. Et j'ai pas mon viseur. Oh, ça va, oui. Tant pis. Blanco 75. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Blanco 75. De toute façon, j'aime bien 75. Je suis dans une impasse dans le stream. Pour le stream, j'hésite entre le dernier Ryzen 7. Et les i9-9900K. Ah ouais, carrément 9900K. Ouais, donc là, on a vraiment deux processeurs qui sont pas du tout dans le même monde. Ouais. C'est une question de budget, hein, concrètement. Soit tu as le budget pour le 9900, n'hésite pas. Si par contre, tu dis, ah, je préfère peut-être mettre un petit peu moins et augmenter la carte graphique, quelqu'un prend le Ryzen 7. Donc, l'un comme l'autre seront des choix de toute manière au poil intéressant. Il n'y aura pas de souci. On continuera à prendre les questions. Je vois qu'il y en a plein. Continuez. On reviendra sur toutes ces problématiques de configuration. Ça fera un peu appelez-moi le directeur, ça sera appelez-moi Paul. Ça marche. Je répondrai à présent. Et moi, je voulais quand même un petit peu parler d'un dernier produit avant qu'on prenne toutes les questions. C'est le ROG Strix Scar 2, mon ami. Ouais, belle bête. C'est une nouvelle gamme qui a été annoncée aussi au CES, un peu comme les 2060. Et en fait, c'est Asus ROG commence à intégrer les RTX, tout simplement. Ouais, je crois que c'est les premiers à le faire, d'ailleurs. Ouais. Il me semble. Non, il y a MSI aussi. Ah, d'accord, MSI. Il y a MSI. Donc là, on est ici, on a un modèle 15 pouces. Alors, je vais l'allumer, puis je vais te laisser en parler un petit peu. Ouais, carrément.
Sachant que j'ai cru voir qu'on avait une information de dernière minute sur les composants qui étaient à l'intérieur. Oui, alors effectivement, bah ça du coup, on va alors, en parler, hein, du coup, ouais. Des pièces qu'il y a dedans. Donc on va être sur un ordinateur portable de dernière gen, donc c'est-à-dire qu'il va être équipé du coup des derniers processeurs, ainsi que des dernières cartes graphiques, donc les RTX, en l'occurrence ce sera une 2070 dans ce modèle-ci, non pas du coup une 2060. Donc on va être sur une puissance embarquée qui va être stratosphérique. Surtout qu'on est sur dire. Du Max P, ouais, dit-on, dans c'est l'oreillette ça. Et non de pas Kevin. Max Q, comme on a vu l'info au départ. Et non, c'est bien une Max P. Alors la différence, c'est quoi? Ouais. Max Q. Mais quelle est la différence, mon cher Paul? La version Max Q, en fait, c'est une version un peu castrée. C'est peut-être pas le bon terme, on va dire quand même beaucoup moins puissante qu'un GPU standard, en fait. Donc une 2070. Excellent article sur le blog si vous voulez tout réviser. Je te redonne la parole, excuse-moi, mon cher. Là, on est sur une, en présence du coup d'un modèle Max P, donc c'est-à-dire une carte plein format, en gros la même que dans notre PC Werewolf, donc ça envoie du lourd, elle est juste légèrement downclockée, donc c'est-à-dire qu'elle va tourner un petit peu moins vite que la version et desktop, regardez pas mon mot pour de dégager passe. Également un petit peu moins de chaleur, mais bon, en tout cas, une 2070 dans un PC portable, on est sur un niveau de puissance qui n'a jamais été atteint à l'heure actuelle. Certains diront, ouais, mais il y avait des PC portables avec deux cartes graphiques, etc. Non, rien à voir, on était sur des PC qui vont être deux fois plus haut, deux fois plus c'est lourd, ça. Donc c'est pas c'est du tout... C'est une grosse même... tendance, hein, on le rappelle, oui. On vous en a déjà parlé durant oui. ces derniers lives. Nous on a souvent dans le passé eu l'affrontement jouer sur un PC portable gamer, ouais. Quelle hérésie, c'est plus des PC portables, ça vrai. Vaut 5 kilos, ça chauffe, tout ça est quand même bien derrière nous, déjà ne serait-ce que par l'esthétique, vous voyez quand même les changements par rapport à ce que vous pouviez voir il y a quelques années, hein, on n'est plus sur... de l'arme de destruction massive, ouais, on est qui sur... tâche oui. bien rouge, ouais. bien épais, je vois ce que tu veux etc. dire, on est sur un truc vraiment qualitatif, ouais. propre, somme, top. Alors nous, on regardait ça tout à l'heure, hein. Franchement, nous, on a beaucoup aimé... Carrément beaucoup... Ah bah ouais, tiens. Ah bah ça y est. Bah du coup, ah bah voilà, il se on a un excellent exemple à vous proposer. Voilà. On va faire le comparatif entre ce que Clevo pouvait proposer du coup il y a quoi 2-3 ans. Il y a 3 ans, 3 ans on proposait. On va les mettre du coup fermés l'un à côté de l'autre, vous allez vite voir la différence. Bon bah il y en a un qui est pas deux fois alors plus haut que l'autre, on est sur un 17 pas loin. Pouces quand même là, mais ouais. C'est pas ce qui explique la différence de châssis. Ouais, ça va augmenter la taille, mais pas l'épaisseur quoi. Ouais. Donc il y a quand même du chemin qui a été fait. 3 ans d'évolution. 3 ans d'évolution, effectivement. Et c'est je pense pour le mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent des PC portables pour se déplacer, hein. Faut pas oublier que ça reste un objet mobile, et c'est ça. Bah du coup des... surtout qu'on est sur 2,4 kg là mais lui il en fait au moins, je sais pas 4,5 je crois de tête, oh, j'aurais dit 4 donc ah, ouais, 4,5 quand on veut le trimballer en cours, ou à la fac ou même au boulot, tous les dans jours le train. mais c'est impossible. C'est ouais, pas possible. Ouais. Avec un SCAR ou une équivalence chez MSI, ça va être les GS65 à l'heure actuelle. Mais on va être sur quelque chose qui est facilement transportable. Je vais te débarrasser, mon cher Paul. Et ça, c'est... Hop là. Ça va être quelque chose de franchement agréable pour tout le monde, parce qu'on joint l'utile à l'agréable, et c'est quand même... c'était pas le cas avant, en fait, faut le dire. Hein. Ouais, surtout que là, donc je vous redonne... Alors moi, je vous fais les informations un peu générales, hein, le technicien, il est là. on est sur un tarif à 2 500 €. Ouais. C'est pas donné, mais il faut pas oublier la puissance qu'il y a dedans. Hein. Donc, alors, c'est ça aussi. On va rappeler la puissance. Processeur i7, ouais. Donc de dernière gen. On est sur un 8750H dans cette machine. Donc c'est assez difficile de faire mieux en termes de processeur. Il y a un modèle au-dessus, mais qui réservait des ordinateurs beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. Ouais. C'est le 8950HK, je crois, de mémoire. Un modèle overclockable, tout y quanti. Bon, bref, c'est un truc qui n'a pas vraiment de raison d'être dans un PC portable. Il faut le dire, 8750H de ce modèle-ci est bien plus intéressant. Une 2070, 16 Go de RAM, il y a un SSD de 500, je crois, dans cette machine-là. Alors, celui que je présente là, ça doit être le 256 en NVMe. Donc, démarrage ultra rapide, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a dû démarrer en 5 secondes, je pense, ou quelque chose du style. Eh ben, donc, tu sais quoi, regarde, je te laisse continuer. Et puis moi, couplé je... un disque de stockage de 1 Tera, donc il y a quand même de quoi stocker un peu de films, de photos, de vidéos en plus. Alors, je l'arrête donc, et après... C'est plutôt encourageant. Merci cas, à tous machine. Ceux qui follow. On ouais, voit la petite tête sympa, de Tifu44 qui te fait bonjour, qui te fait coucou. C'est quand même pas sympa, les gars. Classe, merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de follow sur Twitter, Facebook, YouTube, bref, la totale. Quoi. Ouais, Instagram, ouais. Etc. Pour revenir sur ce SCAR que je vais rallumer. Donc là, est-ce qu'il s'est bien éteint? Il oui, est éteint, il est ça éteint. Y est. Donc on va vous montrer. C'est quand même. Est-ce que j'ai bien appuyé? Oui, j'ai bien appuyé. On va être sur démarrage. Quoi? Allez, je dis moins de 10 secondes.
Là, on est déjà rendu à 5, 6, 7. Allez, allez. Ouais, donc ouais, on est à une petite dizaine de secondes pour arriver sur la page de login. Donc les SSD, ça change la vie. Hein, ouais, contrairement ouais, du coup aux anciens disques mécaniques, hein, d'autant plus en NVMe. J'essaye, quoi dire d'autre, Denis? Bah, hormis la fiche technique, il va y avoir l'aspect esthétique, évidemment. Donc, on va être sur un châssis effet carbone avec un plastique de super qualité. C'est peut-être pas du métal, ok, ouais, mais on est sur quelque chose testé, super costaud. Sur, aussi les écrans. Ouais, 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 c'est faux. Ouais. Voilà, quand tu le bouges, il sort pas comme de la guimauve. Quand tu appuies sur le clavier, il s'enfonce pas. Donc, on est sur un châssis hyper rigide, hyper qualitatif. Donc, c'est pas du métal, mais c'est pas grave, hein, honnêtement. Je mets mes piles derrière l'insert. Donc, vous voyez qu'il y a les petites touches de gamer qui sont ouais, transparentes. ZQSD pour les gens qui les cherchent dans le noir, et puis évidemment vous allez avoir en fait le système de rétroéclairage RGB des touches, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Ouais, tout ça est géré par le LoRaSync. Ouais, non, vraiment c'est un super PC portable. Il y a Gatmax 78 qui nous demande ce que ça donne en benchmark pour ce ROG. Et bien, toute transparence, nous on n'a pas fait les benchmarks, donc on va pas te répondre n'importe ouais, quoi. À vue de nez, attendez-vous après, à quelque chose. On est quand même de... sur du lourd. Hein. Ouais, quand on compare au Werewolf, qui va embarquer grosso modo des composants à peu près dans la même série, on va dire, ils sont à peu près équivalents. On a un i7, il y a un i7, M2070 et M2070. On va pas en être très loin, on sera inférieur parce que du coup le i7 est cadencé beaucoup plus haut sur ce modèle-ci. Ouais. Mais on sera sur quelque chose quand même d'approchant et de très 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 satisfaisant aussi pour du jeu. C'est ça qui est important. Coucou Manonolita qui nous suit également, salut. C'est super sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit ouais, PC portable. Ouais, effectivement, tour rapide, mais on n'en pense que du bien, non, ouais, honnêtement. Ouais, franchement, on est très 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 satisfait. Si vous voulez en savoir plus, regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos de gars qui ont fait de l'unboxing, des tests, système de refroidissement, en tout cas, a l'air top. Au ouais, niveau on du est bruit, sur un système qu'ils appellent HyperCool Pro, on le voit ouais, un petit peu en vidéo derrière. Double ventilateur en métal, donc quelque chose du coup qui carbure bien, dans un bruit tout à fait maîtrisé. Donc on est loin des turbines de l'époque qui faisaient 50 décibels en charge, c'était abusé. Mais tout à l'heure, on s'est amusé à essayer de l'entendre, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Juste pour terminer, on est sur, donc, je rappelle qu'on est sur un modèle 15 pouces, mais il y a 6 modèles. Pour ceux qui sont intéressés par les PC portables gamer à base de RTX, sachez aussi que Asus a sorti les Hero 2, ouais, qui possèdent aussi des RTX. Alors, je vois que vous avez de nombreuses questions. Et bah, c'est super, on va pouvoir c'est en super, parler. On va essayer de répondre au plus possible. Mmh. Alors, on dit bonjour à Vano, ouais, qui nous demande sur un 27 pouces 144 Hz, WQHD, la 2080 donne quoi? Bah, je crois que même moi je sais répondre, mais je vais te laisser le faire. Ouais, bah on est sur une carte du coup qui va pouvoir carburer. En hein, WQHD, il n'y a pas de souci. Du 144 Hz, alors ça va dépendre des jeux. Si tu joues du coup à League of Legends, Overwatch, Fortnite, ce genre de jeux, en fait, des jeux de e-sport, hein, principalement Counter-Strike, un bon exemple aussi, il n'y aura aucun souci. Tu vas pouvoir carburer du coup en 144 Hz sans problème. Par contre, des jeux plus gourmands, le dernier Call of Duty, Black Ops 4, Battlefield 5, hein, qui vont être des jeux beaucoup plus exigeants. Même avec une 2080, ouais. Ça va être un peu léger à mon avis. Pour du YQHD, tu vas tabler sur du 70-80 FPS, mais certainement pas à 144. Oui. Donc on d'accord, est déjà sur quelque chose d'hyper bien, hein. Attention, oui, oui, j'ai pas dit on ça. On a mais... bien mis, vous avez ouais, bien vu, on vous le répète assez souvent, Paul il a mis en rapport le GPU avec l'écran qui était mentionné dans la question. On va reprendre à une question aussi de Chilou. Qui nous demande sur ce laptop, est-ce que c'est la même version que le desktop? La fin de ta question, Chilou, on va pas la prendre parce qu'il a déjà ouais, répondu tout à fait, effectivement. Bah, sur les performances de la CG. Pour le processeur, j'avais également évoqué vite fait en fait. J'ai pas écouté. Bravo Denis, merci. J'avais évoqué vite fait du coup le parallèle avec le 9700K. Non, on va pas être à ce niveau-là. Un 8750H concrètement. Alors, il faudrait vérifier en bench, j'estime qu'il est équivalent à un 9600K, donc un i5, mais qui va par contre carburer beaucoup, beaucoup plus vite, le i5 desktop. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre. On est en tout cas sur un processeur de dernière gen qui va être hyper intéressant. Donc, pas de bottleneck au niveau du processeur, parce que c'est très à la mode, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, le CPU est largement capable de driver la carte graphique sans problème. Alors après, on a bien le bonjour. Eh ben bien le bonjour. Bien bonjour. Je vais pas faire de blagues sur le pseudo, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hello les gars, dites-moi niveau facilité de paiement, en combien de fois maximum est-il possible de payer? Ah, très bonne question. Bon, c'est pas tout à fait ma partie, mais bon, je connais la réponse, donc je vais répondre. C'est 3 fois hein, maximum du coup sur le site. Hein, donc complètement.
Moi, je connaissais, mais je t'ai laissé faire. J'aurais bien aimé que tu te plantes. Non. Histoire de dire, non, bah, non. Je sers à quelque chose. Moi, je bosse aussi à côté mais de. À part acheter des bonbons. Et je bosse à côté de mes collègues récupérer de l'administration. Les paluches oubliées par Kevin. Je pense que je non, fais là. Bon. Enfin bon. Crooks89 qui nous dit bonjour matériel.net. Eh bien, bonjour Crooks. Hello. Comptez-vous à l'avenir ouvrir des magasins au Maroc? Il y a une vraie demande ici pour les PC gamers de bonne qualité et de marques comme la vôtre. Eh bien, mon cher. Ah, Thibaut, tu m'as enlevé le pseudo. Crooks. Mon cher Crooks. Ouais. J'ai beau avoir un bol de bonbons, j'ai pas de boule de cristal. Ouais. Donc je ne peux pas dire pour l'instant ce que, puisqu'on est là pour être transparent, non, c'est absolument pas prévu du tout. Mais vrai. Désolé. Alors après, on a Keybutor, une RTX 2070 Armor, donc c'est un peu comme celle qu'il y a dans le Woof. Est-ce qu'un i5 6500 est-il suffisant? Ouais, j'avais déjà évoqué du coup ça tout à l'heure. Il n'écoute pas non plus, Keybutor. Non, mais ça se trouve, il arrive après, non, donc c'est pas grave, Keybutor. Concrètement, moi ce que je vous conseille avec une 2070, c'est d'avoir au moins un processeur de 4ème gen en dessous, donc série 3000 et 2000, donc Sandy Bridge et Ivy Bridge, je crois. Ça commence à faire vraiment vieux et les architectures CPU sont quand même pas vraiment au niveau, donc la carte sera pas capable de s'épanouir pleinement. Donc voilà, 6005 en tout cas. Pas de soucis, ça ira crème. Ok. Eh ben, si c'est crème, il faut foncer. XMS51, j'attends de savoir s'il parle des 2070-2080 au niveau des ports dessus, car j'en trouve pas avec des ports DVI-D pour mon 144Hz. Et oui, c'est vrai que le port DVI-D, du coup, il commence à se faire rare. Donc là, on a du bol, hein, parce que sur ce modèle-ci, elle en est encore équipée. Est-ce qu'on voit bien? Hop, petite paluche. Petite paluche. Le DVI, c'est quoi pour les gens qui savent pas? C'est cette prise là, ici. Donc c'est la grosse prise du coup qui est présente sur la plupart des écrans qui ont été fabriqués, qui est encore présente d'ailleurs sur les écrans actuels. C'était à l'époque du VGA. C'est une connectique numérique qui permet effectivement de faire transiter du 144Hz comme l'HDMI. Alors avec la bonne norme, et le DisplayPort. D'accord. Toutes les RTX ne sont pas équipées de port DVI, donc il ne faut pas se planter, il faut bien faire gaffe à ça. Exactement, si jamais ouais. Du coup vous en avez besoin, parce que sinon ça veut dire adaptateur, et un adaptateur DisplayPort vers DVI 144Hz, ça coûte facile 60-70 euros, ouais. Parce qu'il faut un adaptateur actif, et ça coûte très cher. Donc autant prendre une carte en fait, directement livrée avec une prise DVI, hein, ça sera beaucoup plus simple. Super. Super, il y a Atrix qui va enchaîner parce que je pense que du coup ils ont compris que tu avais. On va manger ici, Denis, tu vas nous chercher non, des sandwichs. Tu vas manger ici, moi je vais aller prendre l'apéro. Ben, super. Et puis je te laisse. Non, en tout cas, franchement, c'est top, top, top. Ça nous conforte. Moi je suis vraiment ravi que Paul soit avec moi et qu'on ait mis tout ça en aussi. Place. Donc les beaux gosses barbus que j'ai entendu se plaindre tout à l'heure, eh ben, check. Ouais, je peux pas refaire ma tronche, je suis désolé, hein. Elle est scalée. Alors, Atrix, que conseillez-vous comme PC laptop? Je vois que Kevin essaye de me faire un message subliminal, mais non, parce que j'ai commencé une question, Kevin. Que conseillez-vous comme PC pour le gaming, mais aussi un peu de bureautique? Donc c'est un usage assez classique, hein, un peu comme le mien, pour un budget de 1000 euros. Voilà. Ouais, effectivement. Bah, alors après, pour 1000 euros, un bon couple CPU carte graphique, ça va être un Ryzen 5, un 2600 ou un 2600X, parce qu'ils sont quand même franchement pas chers quand on les compare du coup au processeur Intel. Puis tu peux coupler ça du coup à une GTX 1060, hein, par exemple. Je pense que les RTX, ça va être un petit peu léger en termes de budget, d'autant plus s'il faut rajouter Windows par-dessus qui coûte vite 140 euros. Ça va être un petit poil léger. Mais bon, un bon couple Ryzen 5 avec une 1060, ce sera très bien. Et très, très si bien. Atrix, tu connais, si tu connais, je m'en excuse d'avance, mais si tu connais pas bien notre site, tu vas bien dans la section PC Gamer, ouais. Tu rentres ton budget. Tu vas voir toute la liste des PC qui répondent à cette requête. Et puis ça. Après, tu affines selon tes préférences. Parce que certains, c'est quand même des fois des guerres de chapelle. Il y en a qui préfèrent Intel, il y en a qui préfèrent AMD. Il y en a qui vont chez NVIDIA, beaucoup d'affinités. Il y en a qui vont chez AMD, ouais. Etc. Donc tu fais un peu ton petit marché. Tu verras, tu as une petite liste de filtres. Alors, il ne faut pas que ma main sorte, sinon c'est débile. Tu auras une petite liste de filtres sur ta gauche qui te permettront un peu de restreindre ta recherche. Et puis, si vraiment ça pose souci, je te rappelle que tu peux appeler. Et oui. Peut-être, avec de la chance, une chance incroyable, tu tomberas sur Paul. Exactement, voilà. Ouais, ou l'un de mes collègues, hein, du coup voilà. Cédric, Nicolas, ouais, Nicolas, Seb, bons, non, ils sont tout aussi bons que moi, on, donc on vous embrasse, c'est moi qui fais le porte-parole, mais exactement. En tout cas, du coup, ils seront tous habilités à répondre, donc il ne faut vraiment pas hésiter. C'est un numéro gratuit en plus, donc franchement, ce serait dommage d'hésiter, tout simplement. Alors, bien le bonjour, je suis... Alors, Thibaut était vraiment...
Il faut que vraiment une petite crevure. Faut que je me rase la tête, parce que du coup... Puisque bien le bonjour ouais. ne demande dans combien de temps on estime la perte de cheveux totale du monsieur de gauche à cause de la calvitie. Ouais. Alors, ça me rassure que je ne me sois pas tendu les cheveux ouais. hier, parce que je pense que j'y aurais eu droit. Et si tu as bien remarqué, c'est un peu obligatoire. Ouais, quand on parle chez de la Matnet, tech. Thibaut est l'exception qui confirme ouais. la règle. Ouais, je vois, Kevin, hein. Mais il Kevin, a plus c'est grand chose sur le caillou. Boule à Z. Boule à Z, voilà. Voilà, on va reparler un peu tech hein, quand ouais, même, parce que voilà. On est là pour ça. Ecorse TV qui est quand même resté, même s'il n'y avait oui. pas de cadeau, tu as bien fait. C'est vrai. Ryzen 5 2600 et RTX 2070 oui. épanoui. Oui, mille fois, oui. Ryzen 5 2600, c'est un excellent modèle. Du coup, c'est le bon rapport qualité-prix justement pour du jeu chez AMD. Donc, pas de problème, hein. Tu peux y aller. Acno TV qui nous demande gaming et stream en même temps. Il conseille quel logiciel ? Et après, il nous parle de processeur. On va d'abord répondre à cette question logicielle. Eh bah, c'est une bien bonne question, parce que moi, je ne stream pas, donc j'en sais. Foutre. Kevin, tu utilises quoi XSplit, mais il y a OBS aussi, Kevin, je crois, du coup. Ouais, voilà. OBS, ouais, c'est ouais. les plus Alors, connus. Après, hein. moi, pour avoir un tout petit peu assisté Kevin lors de ses réglages, j'ai bien assisté, c'est-à-dire porter les câbles. C'est pas toujours évident, donc ouais, XSplit, pour l'instant, nous, c'est la solution qu'on utilise. Yo-Yo, TV Suisse, alors on fait un petit coucou à la Suisse et un petit clin d'œil, je ne sais pas si nous regardons à Psycho 17. Sommes-nous tranquilles si on possède une GTX 1080 où il fait passer sur une RTX en 2K 165 Hz? Difficile question, parce que là encore ça dépend des jeux. C'est et ça. On en revient toujours au même débat. Hein. Faut bien comprendre que League of Legends ne tournera pas aussi vite que Battlefield 5 sur un même écran et une même carte graphique, c'est pas possible, parce que Battlefield 5 est un jeu beaucoup plus beau, beaucoup plus détaillé et donc du coup beaucoup plus gourmand. Il va beaucoup plus tirer sur la carte graphique. Ça va dépendre des jeux auxquels tu joues. Donc là c'est difficile de répondre à ce type de questions comme ça. Si c'est des jeux de e-sport, aucun souci. Mais si c'est Battlefield, non, ça sera pas possible. Malheureusement, tu seras pas à ce niveau-là, ça sera peut-être à 60 FPS. Mais guère plus à mon avis. Ok, on fait un énième coucou à mon ami Jérémy Saxy qui nous héberge. Merci Super beaucoup sympa. Jérém. Plutôt que de travailler ton skill, de regarder des mecs qui parlent technique, ouais. c'est bien pour toi aussi. Mais c'est pour le skill technique justement. Et ouais, bah, hey. Cet homme va aussi être incollable, notre ami Saxy. Je dis ça, il y en a peut-être pas mal qui ne comprennent pas forcément de qui on parle. Saxy, Yann et Bloop Greg, Manonolita, DJ Bouchery, tous ces noms que vous pouvez entendre durant ces lives sont nos partenaires streamers qui nous font l'aimable honneur d'être avec nous aujourd'hui. Super sympa. Voilà. On a Nagatsu qui nous demande si la DDR5 va changer la donne pour le gaming vu les fréquences élevées. Je te sors ta boule de cristal ou quoi? Non, parce que j'ai déjà réfléchi à cette question là et je vais faire la même réponse que j'ai faite à l'époque de la DDR3 et de la DDR4 hein. Bah, à mon avis ça va pas révolutionner grand chose hein. Donc c'est juste une nouvelle étape, une nouvelle technologie qui va être liée à des nouveaux processeurs forcément. Donc c'est l'évolution de la chose. Est-ce que ça va révolutionner le métier, le domaine? Non, c'est plus le processeur qui sera collé avec qui va le faire à mon avis. Très bien. Après, on peut chaque passage de mémoire a été vite adopté quand même oui. globalement. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens au lancement de la DDR4, il y avait on gagne que tant de pourcents, que tant de pourcents. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la DDR4 dans sa machine. Oui, donc, ouais, bien sûr. Mais, de toute façon, les machines récentes ne prennent que ça. En plus. Très rares exceptions près. Donc, Alors, on a bien le bonjour. Au lieu d'acheter une RTX, vous ne conseillez pas d'attendre la sortie de la 1660 fin février de la C'est des questions pertinentes qu'il a, bien le bonjour, parce que c'est Alors, vrai moi, que... Alors, moi, souvent... je ne sais pas, parce que 1660, déjà... On ne sait pas comment elle s'appellera. Ouais. En on tout cas, moi, pas. Je ne sais pas comment elle s'appellera, mais ça ne sera pas 1660. Voilà. Conseiller d'attendre, alors pour le coup, moi je vais faire une réponse non technique, tu vois. Ouais. Je vais prendre la parole, faire une réponse de noob que je suis, mais qui est dans le high-tech depuis un petit moment. Si vous attendez la sortie de chaque nouvelle techno, eh bien en fait, c'est bien parce que vous aurez un gros budget. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais acheter rien quoi que ce soit. Acheter. Ouais. Il y a effectivement des innovations qui sont plus marquantes que d'autres, sur lesquelles on peut éventuellement se dire, moi, c'est cette innovation-là que je voudrais. Et pas passer à une toute autre nouveauté. Mais il faut quand même rappeler que dans le marché du high-tech, et puis tous les constructeurs sont pareils, hein, que ce soit sur l'informatique, moi j'étais avant dans la photo, dans la télé, c'est pareil. Dès qu'il y a un produit qui sort, l'équipe du produit suivant est déjà en route. Et oui, sur les téléphones, c'est encore plus vrai que, Exactement. Que pour l'informatique. Donc, tu peux attendre.
Et puis, bah, si tu es déçu, tu auras attendu pour rien. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que les nouvelles vont sortir très très vite. Je crois qu'elles sont annoncées. J'en avais discuté avec Arnaud, qui est notre chef produit de carte graphique. Il m'a dit, ouais, fin février, on va déjà commencer à avoir du stock. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? J'ai envie de te dire, moi, d'un point de vue tech, pourquoi pas? Parce que c'est franchement très très proche. Donc, bon, d'accord. Mais par contre, s'il y avait 6 mois ou un an, non, bah oui, non, là, ça vaut pas le coup. Il faut se lancer au bout d'un moment. Sinon, comme dit Denis, t'achètes jamais rien. Pour un mois. Pourquoi pas? Ah, pour moi, ouais, c'est vrai. Après, la date de sortie, bon. C'est des rumeurs, hein, ouais, donc ouais, prendre avec beaucoup des pincettes. On se méfie, vous avez vu ce qui s'était passé, on l'a dit, hein, nous-mêmes en toute franchise au niveau des RTX. Il y en a eu deux d'annoncés très vite, et oui. Au final, au début, il y en avait. Il n'y avait que les modèles 2080, 2080 Ti. Hein. Ouais, donc, c'est vrai. Il faut faire attention. YoYo TV Suisse qui nous remercie pour sa réponse, mais de rien, on est là pour ça. J'ai encore une question. 4 écrans. Ce monsieur a 4 écrans. Magnifique. Ouais, il voudrait savoir si le fait d'avoir 4 écrans baisse ses performances de l'ACG en jeu. Alors, s'il y en a une, j'ai bien peur que la réponse soit évidente. Eh bah, pas tant que ça, mon cher Denis. Eh bah, pas bim. Tant que ça. Pas pour rien que je suis le noob de service. Allez, hop, bah, en fait, c'est très bien d'avoir 4 écrans. Mais 4 écrans, c'est une chose. Mais si t'as qu'un seul écran qui affiche ton jeu, en fait, bah du coup, ça change rien. C'est ça. Parce que si tu te sers de tes 3 autres écrans pour du monitoring de ton Twitch, de ton stream, c'est pas la même chose que si tu fais un surround pour de la simulation de automobile ou d'avion. Donc, si tu utilises tes 4 écrans pour du jeu, forcément, tu vas diminuer grosso modo par 4, bah, le débit de la carte graphique. Donc au lieu d'avoir, admettons, prendre des chiffres ronds pour que ce soit simple, 80 FPS en jeu. 80 FPS, du coup, tu tombes à 20, forcément, t'as 4 fois plus de pixels à calculer. Bon, un peu autre chose près, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est l'idée. Par contre, si tu n'as que un écran qui affiche ton jeu, bah, les autres, c'est que de l'affichage, hein, donc ça ne baissera pas grand-chose les performances de la carte graphique, peut-être un chouïa, mais c'est négligeable. Et Jumenko, c'est pas sympa de se moquer. Il a dit 4 écrans. T'achètes jamais des écrans, toi. 4 écrans. 4 écrans. 4 écrans. C'est vrai que 4 ne s'accorde pas. Voilà. C'est invariable. Bon, eh ben, il y a les chiffres, il y a les lettres. Voilà. On est polyvalent quand même, Denis. Eh ouais. Acno ou TV qui nous dit, mince, j'ai dit logiciel au lieu de processeur. Ah ben, c'est ballot. Non, sans déconner. Du coup, pour du gaming et du stream, quel processeur? Il parle du Ryzen 2700X. C'est un excellent choix, effectivement. Ouais. 8 cœurs 16 threads. Donc, chez AMD, en tout cas, ça pourrait être quelque chose de pertinent. Pour avoir mieux, il faudrait partir sur du Threadripper, mais c'est pas le même prix. Ouais, parce qu'on rappelle que le stream et le gaming, ça tire quand même pas mal sur le pro. Ouais. Mais d'ailleurs, je pensais à ça, Denis, on n'a même pas évoqué un truc sur les RTX. Et oui, mais parce qu'on parle du stream et des RTX hyper intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que Nvidia a mis en place un système d'encodage à la volée, du coup, au sein des cartes RTX, qui est hyper performant et qui permet de streamer sur une carte RTX en dur, hein, donc un flux Full HD 60 images secondes, donc quelque chose quand même de vraiment bien, sans impacter drastiquement les performances de la carte. D'accord. Donc ça, franchement, c'est cool, ça permet justement de revoir un peu à la baisse le processeur bah, pour se dégager du budget pour une meilleure carte graphique concrètement, ou un meilleur boîtier, ou plus de stockage, bref, autre chose, quoi. Donc c'est ça, c'est l'un des avantages des RTX, c'est là aussi. C'est toujours des réflexions à avoir. Vous voyez comment Paul, est, même quand vous l'avez au téléphone, c'est une équipe. C'est une façon aussi comme ça de réfléchir sur un ensemble. Oui. Nous, on aime bien dire, ouais, on veut des PC équilibrés. Ça peut paraître comme une phrase marketing, ça ne l'est pas. Non. Parce qu'accumuler des compos qui ne vont pas ensemble, ça ne donnera forcément pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, qu'on est là, effectivement, pour essayer de guider nos clients à ce niveau-là. On va prendre la question de Lorio, parce que j'aime bien les questions sur le futur. Moi, tu vois, je suis un peu comme ça. Je lis l'horoscope tous les matins. Que pensez-vous des prochains CPU Intel en gravure 10 nanomètres? Bah, pas grand-chose, honnêtement. On attend de voir, déjà. Parce vous l'a dit. Que moi, je me méfie. Enfin, dans le métier, malheureusement, on est toujours un peu obligé de se méfier des nouveautés, même des grands constructeurs, parce qu'on nous promet la lune, et puis quand ça sort, bah, un ballon, donc à voir. J'en pense pas grand chose. Ça se trouve, ça va être une révolution. Ça serait super pour le consommateur et le technicien que vous, moi, toi, Denis, bref, tout le monde. Bon, là, l'avenir nous dira en tout cas ce que ça donne. Pour l'instant, j'en pense honnêtement pas grand chose. La même chose. La même chose pour avoir un peu suivi le CES. Et c'est pareil, là encore, je vous renvoie, je ne sais pas pour faire de la pub, mais on a fait un excellent papier sur la finesse de gravure il y a quelques années sur le blog. Et vous verrez que la finesse de gravure, c'est un terme qui est devenu marketing, malheureusement, et qu'il faut se prendre toutes ces données avec des pincettes. Très je vois l'heure qui tourne. On a encore pas mal de questions. On va essayer
envie d'aller vite sur les dernières pour vous laisser aller manger. Ouais. On a Jeba, qui est un de nos modos, donc recoucou Jeba. Est-ce qu'on a des statistiques sur la probabilité des 2600 à passer la barre des 4 GHz facilement? Alors, moi, j'en ai pas. Si j'arrive à comprendre la question, parce que là, comme ça, c'est un peu... Bah, je pense que c'est un Ryzen 5. On parle 5... beaucoup Ryzen aujourd'hui. Ah, bah si, en même temps... Dites-nous dans le chat hein, si c'est un sujet que vous voulez voir dans les lives, on ira. Ok, ça marche. Donc oui, effectivement, les 2600, donc la Ryzen 5 2600, donc pour le nom complet. Passer la barre des 4 GHz en overclocking, bah honnêtement, je saurais pas te dire quel est le taux de probabilité et le taux de réussite, pour la simple raison que nous, chez Matériel.net, on fait pas d'overclocking. C'est un parti pris. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc qui est quand même très important, c'est que l'overclocking flingue la garantie du processeur. Donc c'est à vos risques et périls. Nous, on prend pas ce risque-là, tout simplement, parce qu'on ne peut pas se permettre d'annuler la garantie d'un produit pour nos clients, enfin à la place de nos clients. Exactement. Plutôt. Donc, très bonne question, mais honnêtement, je pourrais pas te dire. Bon, j'ai envie de dire que les processeurs AMD sont quand même relativement simples à overclocker, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, 4 GHz, c'est pas une valeur stratosphérique. Si tu m'aurais dit 5, j'aurais peut-être mis le haut là, mais 4 GHz, pour moi, ça devrait se faire sans trop de soucis. Pour peu qu'on change le système de refroidissement, par contre, hein, parce que si on reste sur le système qui est fourni par AMD, ça va être un poil léger. Ouais. Alors, on va prendre une dernière question, celle de Tiamat. Ouais. Moi, j'ai pas la réponse, je sais pas si tu l'as. Qui nous demande les dates de sortie des Ryzen 3000. Bah voilà, on l'a pas, salut, merci. On l'attend, on l'attend. Donc, on verra. Beaucoup de rumeurs, mais rien de fiable. Donc, c'est pareil, c'est... les rumeurs, on se méfie toujours, on vient de vous le dire. Mm. On vous resoumet, avant de vous laisser, notre sondage. Si ce programme vous a plu, petit 1, pensez à nous follow YouTube pour le replay. Twitch, les comptes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ouais. Voilà. Nous, ce qui compte, c'est qu'on fasse des choses qui vous intéressent. Mm. Et ce petit sondage est là pour savoir si ce programme, vous avez envie de l'avoir en milieu de journée, comme on l'a fait à midi, un peu plus tard. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Là, la tendance se dégage vers le midi plutôt, hein, donc tel qu'on se fait, ce qu'on se fait actuellement. Eh bien, pendant c'est parfait. Suivi d'une large majorité de peu importe. Merci pour ton petit compliment qui nous dit qualitatif, c'est live. Et Tififou44 qui a peut-être peur que j'oublie mes notes des fois que j'ai pas assez préparé. Alors, c'est un peu mon chef, entre guillemets, enfin, j'exagère un peu. Mais... prochain live, mon cher Stéphane, le 28 février pour le live Nouveauté. Évidemment, d'ici là, on se réserve le droit de vous proposer plein de petites surprises en préparation avec notre ami Kevin. Paul, Thibaut, je remercie quand même Julie. Carrément. Merci à tout le monde. Qui n'est pas venu. Enfin, si, qui est venu, mais qui est repartu. encore merci à toutes les équipes Matnet de nous avoir aidés à préparer ce live. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci, Paul. Merci, Denis. C'était vachement cool, en tout cas. J'espère qu'on se fait ça rapidement. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Impeccable. Plaisir partagé. J'espère que vous avez aimé aussi. On vous donne rendez-vous très, très vite. Au plus tard, le 28 février. Suivez nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Vous ne manquerez à rien. Info. On vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit. Bon app. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.